Et bonjour tout le monde, c'est Eugène, très content de vous retrouver pour ce 10e épisode de notre série sur Prince of Persia. 10e et peut-être le dernier qui serait, mais bon après c'est vraiment. Faut voir si ça se déroule assez rapidement ou pas quoi. C'est vraiment voilà. Ça sera au niveau du timing surtout. Donc ouais, 10e épisode. Je vous avoue que je suis un petit peu content que ça se finisse parce que comme ça je vais pouvoir enchaîner sur. Enfin bientôt du moins enchaîner sur un autre let's play. Et j'espère vraiment que celui-là va vous plaire. Mais en tout cas, ça aura été vraiment un très bon old show ce Prince of Persia. Je regrette pas du tout de l'avoir fait au contraire. Donc voilà, nous y sommes enfin, 80%. On va charger ça tranquille. Et puis bah. Voilà. De mémoire, je crois que. Ouais, voilà, j'allais dire qu'on était arrêté au niveau d'une cour extérieure. Bah c'est le cas. Rappelez-vous, un espèce de combat ici-là qui s'était plutôt bien passé dans l'ensemble. Et donc voilà. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'aller chercher un peu de vie quand même. Ça serait cool. Ça serait cool. Par contre, on va essayer de voir aussi. Enfin, par où j'étais arrivé, je me rappelle plus du tout. Laissez-moi regarder 2 secondes. Ah, j'étais arrivé par le puits. Voilà, c'est ça. On était même dans une cellule, si je me rappelle bien. Et donc, bah, je dois en conclure que je dois aller là-bas, hein. Ça me paraît logique. Oh, je peux pas y accéder à ça. D'accord. Alors. Une boule d'énergie. Ça déjà c'est super. On commence très bien l'épisode. On a tout à fond. C'est parfait. Oh, elle était tombée de bien plus haut, mon gars, t'abuses là. Alors attendez, parce que là, du coup, je vois plus du tout par où je peux passer. D'accord, donc là-bas, il y a une caisse. Là, en bas, enfin, au niveau de la droite. Ah, ben là, il y a un interrupteur en plus, c'est nickel. Ok, ça m'aide déjà à y voir un peu plus clair. Oh là là, il y a du temps, ça m'énerve. Donc ouais, donc je disais là-bas, il y a une caisse en haut à droite. Je pense qu'il va falloir la faire descendre pour accéder à l'interrupteur jaune. Allez, 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 allez. Ah, ta race. Allez, c'est bon. D'accord, donc là il va falloir rusher. Allez, 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 allez. Voilà, nickel. C'était pas très bien. C'était pas bien compliqué, du moins. C'était quoi ce cri? Oh my god, le cri de pucelle quoi. En tout cas, c'est dommage parce que je me suis aperçu il y a pas longtemps que l'audience du moins de ce Walshu, et remarqué même de Switch Shadow of the Colossus, avait quand même plus ou moins baissé. Bon, il y a toujours les fidèles, hein, mais quand je vois que le premier épisode a fait 30 pouces. A fait 30 pouces bleus et que bah maintenant on tourne autour des 10 et des 11. Bon bah je trouve ça dommage parce qu'au final voilà. Vous quittez l'histoire en cours de route les gars, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc là il va y avoir quoi? Un petit combat d'oiseaux c'est ça? Le pont va s'effondrer ou non? Allez, 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 allez! Merde, oh, je me trouve le bouton.
Oh, il y en a beaucoup, ouais. C'est quoi ces conneries? Allez, cale une petite flash là, voilà, allez. Putain, ils sont pas dangereux les oiseaux, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants à combattre. La vache. Et là, du coup, il y a encore une boule. Ouais. On est vraiment à la fin là, ça se voit direct. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite salle secrète là? Je pourrais accéder en grimpant. Je vais regarder ça de suite. Oh là là, je vais voir ça, attendez. Non, y a rien. Dommage. Ah, par contre là, y a un mur. J'adore quand vous faites ça. Très ambigu quand même ces dialogues hein. Très 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 ambigu. La meuf qui dit j'adore quand vous faites ça et l'autre qui rentre dans un petit coin assez assombri. Venez avec moi. Mon dieu. Nous voilà requinqués. Que voulez-vous dire? C'est sans importance. Faites attention! À quoi? Tout n'est pas un piège, vous savez. Ouais, je me rappelle plus du tout de cet endroit. Alors déjà, là, il y a une fontaine, au cas où. C'est pas mal. C'était facile. Ouais, trop facile comme tu dis, tonton. Ah, le mec il s'essuie, normal. Olé, c'est parti mon kiki. Alors attendez. Oh non, je me suis trompé de bouton. Ta mère. Je suis coincé. Oh là là, si je peux pas sortir, ça va être chaud. Oh là là, c'est chaud de night là. Attendez, 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 il faut que je me casse. Ça, c'est de l'esquive. C'est chaud, c'est chaud. Faut que je me casse, allez. Bon là je suis chargé à fond. Allez boum. Oh là là, comment je me gaffe, c'est abusé. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Putain, c'est chaud. Oh là 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 là, je suis coincé. Je suis coincé, la caméra ne m'aide pas du tout.
Allez, allez, Morgane, allez. Concentration. Casse-toi de ce trou-là, là. Oh, les bâtards. Oh, c'est chaud. Ils sont genre 300 millions, quoi. Oh là 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 là, mais laisse-moi taper ton pote, enfoiré. Très très chaud. Oh là 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 là. Putain, ils ont pris des cours de combat ou quoi entre temps là? C'est incroyable ça. Ouais, j'arrive à boire un petit peu d'eau là. Oh, elle est morte. C'est pas croyable. Ah putain. Faut la rusher en plus, elle a plus de vie et tout. Oh là 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 là. Allez, go. Mais pour te sauver, connasse. Allez, Morgane, allez. Parfait, ça. On va boire un peu de vitel, allez. Oh la vache, c'est fini. L'ascenseur, d'accord. C'était vraiment chaudard. Comme tu dis, ouais, ça s'est arrêté. Du coup, je passe par où, là? Essayez ce levier. Quel levier? De quel levier tu me parles, bichette? Ok, alors attends, c'est quand même par la levier, je le trouve pas le truc. Ah bah c'est celui-là, bien sûr. Bien sûr, ça c'est tellement évident alors que le mec le charge depuis tout à l'heure. Venez, vite. J'arrive. Le sablier est tout proche, je le sens. Vous le sentez? Comment? Je ne peux pas l'expliquer. Ah bah oui, il est là le sablier, mon gars. Très bien. Déjà, on va sauvegarder. Ouh, ça, c'est un petit regard du style « je t'ai niqué la gueule ». Ouais. Mais comme je me rappelle plus du tout de ce passage, enfin de la fin du jeu du moins, putain j'ai du mal à trouver mes mots.
Je sais pas, je sais pas du tout ce qui va se passer. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Alors, écoute, tu vas fermer ta gueule, s'il te plaît. Non, non, non. Oh là là, la chance, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Non, mais pourquoi tu reviens par là? Ah ouais, voilà. Faut que tu sautes à partir de là, mec. Foutage de gueule. Alors, attendez, parce que je suis pas totalement con non plus. Voilà. Vous y êtes. Prenez la dague, insérez-la dans le centre du dôme. Mon père a fait piller votre palais. Vous a réduit en esclavage. Quoi? Beaucoup trop de raisons de me haïr. Qu'est-ce que vous racontez là? Pour que je vous fasse confiance. Allez, dépêchez-vous! J'ai défié mon ennemi. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai perdu. J'ai tout perdu. Une tombe. Vous y étiez presque. La dague était dans votre main. Pourquoi avoir hésité? Pourquoi? Vous vous croyez plus malin que les autres, mais vous êtes comme tous les autres. Comme tous ces soldats qui ne savent que tuer. Tuer et détruire. Pourquoi ai-je cru en vous? Oh prince, vous auriez dû me faire confiance. Ah! Pardon. Je ferai aucun commentaire sans ce bruit. Où êtes-vous? Juste ici. Prenez ma main. Serrez-la. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Non, c'est vrai. Tout ce qui se passe est de ma faute. Je voulais les honneurs, la gloire. J'ai causé notre perte. Vous êtes brave et bon. Et si cette tombe doit être la nôtre, au moins la dague disparaîtra avec nous. Et puis, nous sommes ensemble. Qu'y a-t-il? Rien, rien. Vous tremblez? Je déteste être enfermé. On doit pouvoir sortir d'ici. Quand j'étais petite, ma mère m'a appris un mot secret. Elle disait que si j'avais peur, il suffisait que je le chuchote pour que s'ouvre un passage secret. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ça se comprend. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi puéril. Quel est ce mot? Kakulukiam. Kakulukiam. Qui a fait ça? C'est vous? Farah? Oh. Ouh. Alors. Farah. Ah oui, là je me rappelle de ce passage. Étant petit, ça m'avait plus ou moins, je veux pas dire marqué parce qu'il y a rien de marquant, mais c'est un passage. Je m'en rappelle.
Et de mémoire, c'est un escalier sans fin où il va y avoir genre plusieurs entrées et faut trouver la bonne. Tant que tu trouves pas la bonne, tu remontes en haut de l'escalier, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien. Bon, pour le moment, je suis plutôt bon sur le fait que ce soit un escalier sans fin. Maintenant, les portes, elles sont où, là? Ah, c'est là-bas. Oh, j'ai peut-être bugué, parce qu'au final, on est déjà arrivé, quoi. Où êtes-vous? Ah non, c'est là, voilà. Là, il y a plein de portes différentes. De quoi parlez-vous? Où êtes-vous? Voilà, donc c'est ici en fait qu'il faut trouver la bonne entrée. Seulement vous devez rester ici. Qu'est-ce que vous faites? Je vous cherche. Alors. Je suis juste là. Je sais plus s'il y avait une technique. Ouais, voilà. Donc là, déjà, vous voyez, quand je suis devant celle-là, il y a du bruit, et devant les autres, il n'y en a pas. Et je crois que c'est ça, voilà, c'est ça en fait, il y avait un truc sonore à repérer. Où êtes-vous? Ah non, même pas. Elle est là, le mec qui sort sa science, et c'est même pas ça. Seulement, vous devez rester ici. Qu'est-ce que... Oh là. Non, attendez. Où êtes-vous? Je suis ici. Comment diable? Ouais, comme tu dis, ma poule. Alors attendez, parce que là, du coup, je... Enfin... Peut-être celle-là. Non. Voyons voir par là. Farah, où êtes-vous? Je suis juste là. Où êtes-vous? Je suis ici. Ouais, je crois... Attendez. Je vais essayer de faire ça. D'emprunter à chaque fois la porte où il y a du bruit. Si nous prenons un bain. Où êtes-vous? Prenez-moi dans vos bras. Je ne vous vois pas. Yes, voilà, j'avais raison. Ça devient vraiment ridicule. Farah? Prenez-moi dans vos bras. C'est à moi que vous parlez? Pourquoi êtes-vous aussi distant? On va essayer de pas se planter, Farah, ça serait très con de retourner en bas quand même. Yes, c'est ça. C'est magnifique. Venez. Cette grotte magique était-elle réelle? S'il s'agissait d'un rêve, nous l'avons fait tous les deux. Ça, j'en suis sûr. Farah. Oh non.
D'accord, alors attendez, du coup, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'armes, j'ai plus de dagues. D'accord, super. Oh putain, et en plus, il y a des ennemis. Alors attendez. Je pense qu'il faut les esquiver, ça me paraît très logique. Olé, olé. Putain. Oh, est-ce que vous avez vu cette épée là? Oh! What the fuck? D'accord. Bon, bah on a l'air d'être devant une belle salle. Une belle salle à énigmes, mes amis. Ouais, d'accord. Comment ça se présente ces histoires? D'accord. D'accord. D'accord, donc là ça bug déjà. La lumière elle est pas reflétée à partir de ce poteau. C'est. Ouais. Donc moi je pense déjà que je devrais mettre la lumière dans ce trou, ça me paraît très logique. Mais ouais, au vu de ce miroir déjà. Au vu de ce miroir. Donc déjà je pense que c'est celui-là qui doit aller dans le trou. Ça me paraît très grave logique. Donc si c'est celui-là qui va dans le trou, c'est celui-là qui doit le refléter. Ça me paraîtrait encore plus logique. Voilà, d'accord. Enfin, je pense que c'est ça. Donc, comment faire? Non? Attendez, il reflète comment celui-là? Ah mais il prend pas la bonne source, je crois. Parce qu'en fait, il prend la lumière qui vient de là-bas. Donc moi, je pense que déjà, il doit récupérer la lumière qui vient de là-bas. Donc, tac, tac. Attendez que je réfléchisse. Déjà, lui, il sert à quoi? Il sert à rien du tout. Puisqu'il alimente, il alimente que le miroir qui est là tout seul. D'accord. Voyons voir. 1, 2. Ah, voilà, donc là c'est bien ce que je disais. Et là, mais voilà, mais magnifique. Franchement, nickel. Et l'armure est du coup désactivée. Mais franchement, nickel chrome. Et là, j'ai une épée d'enculé, les amis. Il est très très chaud là, il est très très chaud notre prince. D'accord. Excusez-moi, un petit peu fatigué. Alors, est-ce que vous avez remarqué par contre que j'avais plus de dagues?
Donc je pense que du coup, vu que j'ai plus de dagues, si jamais je me foire, c'est vraiment la catastrophe. Allez, testons ça. Testons cette belle épée. Oh, le massacre! Ouh, le massacre! Ouh, le massacre! Oh bah, prends pas la confiance non plus, mec, hein. Allez, boum, là. Hop, hop, nickel. Ah, puis une petite sauvegarde en plus, c'est parfait, ça. Vraiment parfait. Où est sauvegardée la partie? Oui. Nous y sommes enfin. Donc là, on en est là. Hop. Bon, écoutez, mes amis, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Dans l'absolu, ou bah, de toute façon, voilà, le prochain épisode, d'accord, on sait que ça sera le dernier, je pense. À partir de ce point. Et puis, ouais, je pense que voilà, on a quand même bien avancé. En plus, on a une nouvelle épée, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, ouais, on fait comme ça. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, et je pense que ce sera le dernier. Donc voilà, mes amis, bah écoutez, en attendant de se retrouver, bah moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis bah portez-vous bien. Ciao, ciao.